Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors attendez que j'affiche tout ça. Vous allez bientôt... Ah là, salut. Salut à tous, salut Calcero, salut Tonio, salut Mammoutre, bienvenue à vous pour ce nouveau débrief d'après-séance. Alors on a mis un petit peu de temps à le caler avec notre invité de ce soir, puisqu'on a tous les deux des emplois du temps de ministre et que c'est pas toujours simple, mais on a réussi à s'organiser pour le faire ce soir, donc ce soir je vais accueillir notre invité des épisodes 25 à 28, et on va... bon, ils sont passés depuis un moment, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, comme ça au moins on est sûr, on va pas spoiler trop de monde, donc je vous demande d'accueillir, attention, au switch de scène, je vous demande d'accueillir Arbassin, hop, salut Arbassin, tandis qu'on nous lance un mécréant dans le chat. Bah salut à tous, ça fait plaisir. Bienvenue. C'est vrai que ça fait un petit moment hein, qu'on devait se retrouver et ça fait un petit moment qu'on s'était, ouais, qu'on s'était vu effectivement, ouais. Ouais, ouais. Ça va toi? Bah écoute, la forme, un peu fatigué quand même, mais écoute, je suis content d'être là et puis de pouvoir discuter un petit peu de ces épisodes particuliers où j'ai pu passer un très bon moment avec ton équipe, puis avec toi. Donc c'était un super temps. C'était un plaisir partagé et alors on prendra le temps pour ceux qui ne te connaissent pas de parler aussi de ton actualité et de ce qui se passe autour du jeu de rôle chez toi. On fera ça plutôt vers la fin quand il y aura un peu plus de monde. Pour l'instant les gens arrivent doucement. Hein, voilà, oui, prenez votre temps à arriver, installez-vous. Échauffez-vous un peu. Salut Robin, voilà, salut à tous, échauffez-vous, voilà. Faites des petits moulinets, des poignets, c'est important. Voilà. Bah écoutez, salut à tous et salut Mammoutre. Ouais, j'ai réussi à aller sur le Twitch en même temps, c'est fou. Ah, là, oh là là. Oh là, je me mets à la technologie. Oh là là, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Bref, aujourd'hui, donc, comme annoncé, on va débriefer ensemble les épisodes 25 à 28. Alors, vous l'avez vu, Arbassin n'était pas là jusqu'à l'épisode 28, il s'est arrêté à l'épisode 27. Mais c'est toujours intéressant quand même d'aller jusqu'à l'épisode 28, puisque ce qui s'est passé directement après découlait des informations qu'il avait données aux joueurs et aux joueuses. Donc on va repasser ça ensemble. Et vous en avez l'habitude, normalement, on passe un brief avant le débrief. Bah cette fois-ci, non, on va pas le faire. Je vous explique pourquoi, parce que tout simplement, je l'ai enregistré, hein, j'ai pas oublié de le faire, hein, non. Par contre, j'avais pas allumé le micro. Voilà. C'est ballot. Donc je peux vous lancer une vidéo où on me voit parler en t-shirt rouge sans aucun son, et donc blablater et réfléchir et sortir mes notes, etc. Hein, mais ça va pas vous apporter grand chose. Ça risque d'être un grand moment de gêne, donc on va juste débriefer, et moi je vais parler un petit peu aussi de ce que j'avais prévu initialement dans le déroulé des épisodes. Et puis je pense que ce sera déjà amplement suffisant. On va essayer de pas trop dépasser du timing qu'on se donne, hein. Mais comme on le sait, à chaque fois on dépasse, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ouais. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, donc, nous avons découvert à l'épisode 25 un personnage original de ta propre création à l'arrivée chez les druides avec cette originalité qu'il avait donc au niveau de ses bras déjà, les tatouages qu'il avait. Ouais. Tu l'as déjà? Moi personnellement, déjà en tant que spectateur un petit peu plus extérieur à la scène, quand je vous ai vu interagir, quand je t'ai vu arriver et commencer à interagir avec l'environnement, j'ai trouvé que déjà tu nous avais offert une belle entrée en matière avec les enfants. Comment toi tu l'as un peu reçu cette entrée en matière, pas vraiment in media stress, mais quelque part où t'étais quand même dans une situation un peu délicate? Et à laquelle tu t'attendais pas forcément. Ouais, ben, j'aime bien ce genre de scène où direct t'es lancé dans le bain. Donc, alors c'est pas forcément facile, mais au moins comme ça tu parles directement du sujet. Ça m'a permis de tout de suite voir la scène entièrement avec ses personnages vraiment particuliers. Et puis, tout le but après c'était vraiment de pouvoir se glisser à l'intérieur de la scène pour pouvoir déjà présenter le personnage,
Parce que tant pour toi que pour le joueur, c'est pas forcément évident. Et puis comme tu m'avais invité, je voulais quand même te faire une belle prestation quand même, un minimum. Elle était très bien. Je sais pas ce que les gens spectateurs, enfin si, je sais à peu près ce que les gens en ont pensé parce que on a eu quelques retours quand même sur cette présence. Et globalement, tu étais très bien. Ils sont sympas. Franchement, ton interprétation était plutôt intéressante. Mm-hmm. Un peu distanciée aussi avec les personnages. Mm. Et t'as pas hésité non plus à aller là où Mayal, par exemple, a essayé de jouer un peu la filoute. T'as pas hésité non plus à un petit peu les bousculer dans leurs mauvaises habitudes, je dirais, en les plaçant face aux conséquences de leurs actes. Je dirais avec Mayal qui a envie de mettre les mains dans les poches des autres, où tu l'as assez rapidement ramené à la réalité en disant je croyais qu'on se faisait confiance. Bah ça c'est le, je pense que c'est le côté MJ qui parlait un peu. Parce que j'ai beaucoup aimé voilà. Personnellement en tant que MJ. J'aime bien comme ça envoyer un petit message, donc ça permettait à la fois de t'aider un petit peu dans la démarche, et puis c'était dans le roleplay, puis je trouvais que la scène était plutôt cool en même temps à jouer. Après ça peut vite, alors c'est le genre de scène qui peut vite déborder, mais ce qui est cool c'est que déjà de base quand on s'est présenté, il y avait un bon échange, donc c'était vraiment chanté qu'il y avait un esprit assez positif dans les échanges, donc il y avait, je sentais que ça allait pas tourner au vinaigre si chacun participe. Il y a un bon esprit quand même dans le groupe, donc c'était bien aussi de le faire, parce que quelque part ça rajoute aussi un peu plus de réalisme, c'est-à-dire qu'une personne que tu rencontres directement, si tu mets les mains dans ses poches pour essayer de lui piquer des trucs, il va pas dire « bah vas-y, fais-toi plaisir !» c'est ça, tiens, ma bourse. Vas-y, c'est open bar. Et attends, j'ai quelques petits objets magiques là derrière. C'est ça, donc du coup, effectivement, c'était assez logique. Et alors après, tu parlais toi de la délicatesse d'entrer dans cette scène par rapport au fait que tu ne fasses pas forcément partie du groupe initialement, et par rapport au fait que y a aussi moi qui dois t'intégrer dans l'histoire. Alors je t'avais transmis tout un brief au départ sur ce que tu savais, d'où tu venais, ce que tu allais faire. On a construit ton personnage un peu ensemble aussi. Est-ce que toi qu'est-ce qui dans ce que tu avais dans tes mains t'a mis à l'aise pour pouvoir interpréter ton personnage? Déjà ce côté mystérieux, moi j'aime beaucoup de pas forcément tout savoir, donc découvrir les choses au fur et à mesure, bizarrement ça me met à l'aise, c'est-à-dire que découvrir les choses sur le tard, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, c'est plus, j'adore les surprises, donc pour le coup c'est ce qui me rassure, c'est-à-dire de pas forcément avoir une emprise, parce que plus le personnage est carré, plus t'as une vision très fermée du personnage que t'imagines, plus t'as envie de rester dans cette case et plus ça va être difficile d'en sortir, donc ce qui est bien c'est que on avait peaufiné 2-3 choses, notamment sur les tatouages, sur je voyais à peu près le caractère. Je pensais déjà au caractère du personnage, mais après, je me laissais des portes pour accepter tout ce qui était envisagé de ta part. Et même en termes de description, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu es allé dans le détail de la description de ton personnage. On voit le MJ derrière qui a l'habitude de donner des descriptions bien fouillées. Et du coup, tu es allé même... je sais pas si tu as improvisé une partie de cette présentation physique, mais de mon côté, moi, je l'avais pas plus écrit que ça, par le fait que ce qu'on s'était dit, qu'il avait des tatouages sur les bras, à la limite qu'il avait une barbichette, je crois, on s'était dit ça. Mais c'est à peu près tout ce que j'avais. Et du coup, t'as apporté des éléments supplémentaires, notamment le fait qu'il avait les yeux bleus, il y a un certain nombre de choses comme ça que tu as apporté. Moi, j'ai bien aimé parce que ça m'a permis aussi de rebondir dessus au niveau de la scène de fin que j'avais prévue, la scène de révélation que j'avais prévue. Et du coup, comment toi, tu l'as perçu, ce lien au final
que j'ai pu faire entre la description improvisée ou pas que tu avais pu faire et derrière l'adaptation de ce que tu avais proposé. Alors elle était improvisée, c'est-à-dire qu'il y a des éléments que j'ai rajoutés au fur et à mesure, justement parce que le but, j'aime bien justement ce côté-là un peu impro, et d'avoir pu rebondir, moi c'est ce que j'aime bien aussi dans les histoires, puis plus les campagnes sont longues, plus tu peux le faire, mais de prendre des bouts, et puis de les réutiliser, de prendre des éléments que les joueurs ont pu énoncer pour pouvoir les utiliser, je trouve que ça permet d'ancrer le personnage et le joueur par la même occasion vraiment dans l'atmosphère de la campagne quoi. Ouais, ce qui fait vraiment... qu'ils sont pas spectateurs quoi. Ils sont vraiment acteurs de ce qui se passe quoi. Et t'as vraiment cette mécanique de t'as l'information quand elle atteint un pic donc dans la conscience des joueurs. Donc là, ils sont très conscients de l'information. Au fur et à mesure, tu laisses cette conscience retomber progressivement. Et quand elle est encore, quand elle est presque endormie, cette conscience de l'information, là, tu la ressors comme étant un élément de mécanique important dans le jeu. Et à ce moment-là, là, eux, ils font le lien, ils font les connexions entre les deux. Et ça, c'est hyper gratifiant pour des joueurs, effectivement. Ah ouais, bah carrément. Et puis, ce qui est toujours drôle, c'est quand parfois on pense, et c'est ça qui est le plus drôle, c'est quand les joueurs disent mais t'avais déjà prévu ça, bah non en fait, mais c'est toi qui m'apportes en fait des billes pour qu'après je les utilise, donc complètement. Et ça dans la narration c'est plutôt cool quoi, quand on a l'impression que c'était déjà écrit. Alors après c'est à double tranchant, parce qu'après il y a toujours des personnes qui peuvent se dire ouais mais tout est écrit, tout est scénarisé. Alors oui, il y a toujours une trame, mais après elle dévie, elle se construit au fur et à mesure. Enfin moi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment qui sont mécaniques, mais derrière toute la narration déjà de toute façon elle est partagée, cette narration. On le sait que déjà les joueurs sont pas là juste pour dire bah je vais lancer un jet. Les joueurs sont aussi là pour décrire les actions qu'ils vont faire, ce qu'ils vont entreprendre, et puis faire varier ces actions-là. Si effectivement on crée toute une ligne immobile pour le jeu de rôle, c'est plus du jeu de rôle, c'est un film interactif, on va dire. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais carrément. Donc c'est pour ça que quand parfois on... Quand on... demande le scénario qui a été fait, je sais pas si on a sûrement dû te le demander, tu vois, par exemple ton scénario, c'est vrai que si je le produisais, c'est ce que j'annonce toujours, c'est que quand t'es MJ, t'as ton scénar de base, mais quand tu vois ce que t'en as fait et le résultat final, j'en ai dévié, mais d'une force impressionnante, hein, c'est sûr. Le scénario de la saison 1, effectivement, donc c'est Milk, donc joueuse de Mibi, qui m'avait demandé d'ailleurs à voir si elle le pouvait, le scénario de la saison 1, parce qu'elle avait elle-même besoin aussi de s'aider pour écrire ses propres scénarios. Et du coup, je lui avais passé le truc, et effectivement, il y a les trames globales, mais au final, au départ, j'ai une intrigue. J'ai des annexes qui viennent m'aider à alimenter l'intrigue avec des éléments de lore, etc. Mais après, comme on est dans une logique de tournage, en gros, je prépare chaque séance en disant bon, cette séance-là, normalement, il devrait faire ça. J'ai prévu à peu près ça, mais souvent, ça dévie. Souvent, ça dévie complètement. Et là, d'ailleurs, ça avait dévié parce que initialement, la séance avant que tu ne participes, j'avais imaginé qu'ils iraient peut-être un peu plus vite sur certaines choses, et donc qu'ils auraient déjà rencontré normalement l'enraciné avant que t'arrives. Ouais. Sauf que, non, ils l'avaient pas encore rencontré. Eh ben, pour mon plus grand plaisir, parce que moi j'ai pu voir ce moment aussi. Donc du coup, derrière, je me suis dit, tant qu'à faire, autant redesigner cette scène-là pour qu'ils le découvrent en même temps, que ce soit une découverte partagée, que derrière, ils aient une quête aussi qui soit partagée. Puis, comment je l'ai mêlé aussi, c'est, tu vois, je m'étais dit, potentiellement, quand tu vas arriver et que tu vas voir les druides, selon le caractère qu'on avait défini, ou que toi en tout cas tu avais défini, il est assez solitaire, donc il va certainement pas trop vouloir s'exprimer devant le groupe, et je m'étais dit bon, potentiellement il va dire il y a moyen de vous parler un peu seul à seul pour parler de ce que je cherche, etc. Et du coup j'avais prévu la petite phrase de
parler sans crainte, ici, nul secret, etc. Enfin bon, bref, je sais plus exactement ce que j'avais écrit, mais j'étais assez fier de l'avoir anticipé, ce truc-là. Ah bah, faut y penser, hein, de toute façon. Mais bah ouais, donc il y a des choses comme ça qu'on sent quand on connaît un peu ses joueurs, ou quand on a l'habitude, ou quand c'est bien préparé, effectivement. Il y a des choses qu'on peut anticiper, où on peut se dire, oh, bah, là, effectivement, je pense qu'ils vont me demander ça, donc je peux anticiper ça. Mais il y a toujours de l'improvisation, et notamment une grosse partie du récit à la fin sur ton personnage était de l'improvisation, pour ma part. Donc voilà, ça laisse quand même la place à l'imagination et à l'improvisation. En parlant d'improvisation, après avoir vu le vieux, il y a quand même eu le départ de l'aventure avec cette quête. Bon, alors il fallait suivre les Kalidol éphémères, donc ça c'était plus pour la poésie de la chose et pour simplifier le gameplay en disant bon, bah, suivez les poésie. Flèches au sol. c'est une mécanique de jeu vidéo, hein. Suivez les flèches au sol. Oui, voilà, bah oui. Mais ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Ouais, bon, c'était aussi pour accélérer un peu et faire en sorte que tout se cadre dans les trois épisodes dans lesquels t'étais présent avec nous. Donc, je suis content que la mayonnaise ait un peu pris là-dessus, parce que sinon, vous avez dit, non, c'est pas logique. Mais non, on va partir à l'opposé. Non, ça me plaît pas, ça. Je me casse. Bon, bah, au revoir, Arbassin, merci d'être venu. Non, mais généralement, on est plutôt beau joueur, on a envie de découvrir, donc on suit les flèches. Et alors, justement, une fois que vous avez suivi les flèches, vous êtes arrivé passe à cet endroit où en gros moi j'ai prévu la scène, mais j'ai pas du tout prévu exactement comment vous alliez résoudre cette scène. Donc la grotte du géant avec donc son côté un petit peu original de sa caverne avec le monticule de terre au milieu, un arbre dessus, ce côté presque un peu enchanteur au milieu d'un tas de merde, hein, parce que du coup c'est quand même on peut le définir ainsi, hein. Et le plusieurs options pour rentrer, le trou au-dessus, l'entrée, et au final, comment est-ce que toi t'as vécu cette scène d'abord d'approche de l'antre du géant ? En fait, j'ai joué un peu mon lâche, c'est-à-dire que j'ai attendu de voir les réactions des joueurs, parce que en fait, là, c'est aussi c'est ce côté où accompagnement, c'est-à-dire que parfois je comment dire, j'ai pas envie de leur poser problème, donc j'ai pas envie qu'il y ait un personnage qui meure à cause de mon personnage, voilà, qui débarque dans l'aventure, donc je leur laisse faire leur choix, et puis j'essaye d'appliquer après pour mon personnage. Alors c'est vrai que c'est un petit peu hors roleplay, parce que pour le coup le personnage devrait agir comme il le désire, mais après justement je l'ai essayé de l'intégrer dans son caractère, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pas se lancer à l'aventure tout de suite, il a un groupe, il se dit tiens, qui réfléchit, ce groupe qui écoute, va pouvoir... qui regarde comment ça se passe et qui ensuite agit, quoi. Donc ça paraissait logique. Ils prennent leurs options, et puis après, on se dit, bah tiens, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, puis saupoudrer de quelques observations comme ça au loin, et puis après, on s'est lancé bille en tête. Ouais, avec un superbe plan descente en rappel. Ouais, c'était pas mal, c'était un beau projet qui s'établit sur le court terme. Ouais, voilà. Mais finalement, on a réussi. Vous avez réussi, alors il fallait quand même préciser une certaine chose. Alors c'était pas un géant très 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 violent. Je l'avais prévu au cas où vous souhaitiez l'affronter. Vous aviez aussi cette possibilité. En soi, il y avait pas mal de possibilités, puisque vous avez choisi de la jouer le plus discret possible, même si derrière on l'a vu, ça n'a pas été une franche réussite. Vous aviez la possibilité de l'attaquer. La voie un peu classique du donjon, quoi, on va dire. Et en soi, comme il avait quelques notions de commun, il y avait aussi possibilité d'essayer de discuter, négocier avec lui, quoi. Ouais, mais comme j'adore Metal Gear Solid, j'ai voulu jouer à la Solid Snake et puis passer comme ça, voir tenter, essayer l'expérience et voir ce que ça donnait.
Voilà. Mais bon, ça n'a pas été génial, mais... Metal Gear, parce que quand je crois qu'il y a un moment donné dans la scène où tu es dans l'antre, en train d'être plus ou moins discret, moi j'ai visualisé ce toulou avec ouais, bah, oui, moi aussi. Au-dessus de la tête de merde, ouais. Je suis vu. Ouais. Ah ouais, je l'ai senti aussi. Hein. J'étais pas bien. Ouais. Surtout, je sais plus à un moment donné. Alors, si je me souviens un petit peu de la scène, moi j'essaye de remonter à un moment donné. Ils essayent de tirer, puis ça fonctionne pas tout de suite. Enfin bon, il y a. Mais dans un premier temps, il y a déjà le truc qui était relativement inquiétant, c'est que en fait il a capté par rapport aux vibrations dans le sol. C'était une créature qui était sensible aux vibrations, donc du coup il avait capté qu'il y avait quelqu'un. Il pouvait pas te voir, ni savoir précisément où t'étais, mais il savait qu'il y avait quelqu'un. Donc du coup, c'est pour ça que moi je m'étais dit direct, s'il y a un intrus, il va, ça va leur mettre un petit challenge, il va prendre cette espèce de gros caillou qu'il avait à côté pour condamner l'entrée. Et, ouais. Et derrière, bah, logiquement, la corde qui elle n'était pas invisible, bah, il a tiré dessus. Heureusement qu'ils ont précisé, bah, je lâche instantanément, parce que sinon je me serais amusé à faire genre, bah, y en a un qui est tiré avec. Ça aurait pu être très drôle. Mais effectivement, dans un premier temps, déjà, ils ont dû récupérer la corde via pouvoir de Mivi. Et puis après, t'as essayé de grimper. Mais effectivement, c'était un peu comme du tir à la corde, mais involontaire. Où toi, t'essayais de grimper d'un côté, eux essayaient de te tirer de l'autre. Mais parfois, ils avaient un peu de mal à tenir. Il y a eu un échange de jets. Ah oui, il y a eu 4-5 tours où c'était, c'était limite. Mais il y a eu des tours où en fait c'était un coup une moitié de personnages qui réussissaient et l'autre qui échouait complètement, un coup l'inverse, un autre coup tout le monde était moyen, il n'y avait jamais un moment où tout le monde réussissait en même temps, c'était affolant quoi. Et puis derrière l'ogre qui essaye de te chercher, puis qui s'approche à un moment donné, puis qui après se fait enchevêtrer, il y avait de la tension dans tout ça, il y avait de la tension. Ouais. Comment non toi, mais tu l'as vécu là aussi... Moyen. Parce que franchement, tu vois, en peu de temps, je me suis quand même attaché au personnage. Donc je me suis dit, mince, j'ai pas envie qu'il meure maintenant. Donc le but, c'était d'essayer de trouver une solution le plus rapidement possible pour survivre. Donc j'attendais que ça se passe patiemment. Et puis je me suis dit, bon, s'il faut, on passera peut-être au combat, mais... Ça va être corsé. J'ai adoré la fin de l'épisode où t'étais comme ça. Oui. Ah ben ça, c'était une grosse tension. Hein. Je le sentais presque nerveusement, tu vois. Donc, ouais. Bah, effectivement. Ouais. Mais je pense que les joueurs aussi ont eu bien le côté nerveux de la scène en se demandant comment ils allaient réussir à te sortir de là. Au final, ils ont réussi à te sortir de là et vous êtes... parti sans demander votre reste le plus rapidement possible avec la petite fleur en question que tu devais ramener. Et puis vous êtes revenu voir à nouveau l'enraciné. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de l'enraciné. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce personnage? Est-ce que tu t'attendais à voir ce type de personnage chez les druides, ou est-ce que ça a été une surprise pour toi? Alors surprise, oui, parce que bon, je m'attendais pas forcément, enfin l'enraciné, je voyais à peu près ce que ça allait donner, mais c'est toujours dans les descriptions, dans les détails en fait, que c'est intéressant. C'est-à-dire que tu retrouves des personnages, que ça soit le Seigneur des Anneaux avec les Ents, que ça soit la corneille à trois yeux dans Game of Thrones sous une autre forme, mais lui aussi un peu enraciné. Enfin, tu retrouves un peu ces thématiques-là de la créature ancestrale liée à la nature. Qui reste un lieu précis. Et... Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est après ce qui en est fait, et puis la description qui en est donnée, quoi. Et pour le coup, moi, j'ai vraiment été absorbé par ta description. Donc c'était cool, enfin c'était intéressant de voir un peu le caractère aussi de ce personnage là qui était très bienveillant, qui avait des choses à dire mais qui essayait de les révéler sans forcément le dire directement, enfin c'était assez intéressant. Donc c'est un personnage qui m'a plu.
Ouais, une certaine bonté, mais en même temps une subtilité dans le dans les propos, où il veut en même temps challenger les gens à comprendre par eux-mêmes. Mmh. Ouais. Et alors, pour le coup, tu parlais de différentes inspirations sur ce type de personnage, pour t'en dire un petit peu plus. Mmh. Effectivement, la Corneille, j'y ai pensé quand je l'ai créée notamment. Mais ce qui m'a le plus inspiré, étonnamment, c'est pas vraiment un personnage qui est normalement dans un arbre. Mmh. Je sais pas si tu vois cette scène dans Pirates des Caraïbes le 2, je crois. Ah oui, le père de Will, non? Alors il y a le père, mais tu sais, il y en a un autre qui est vraiment complètement encastré dans le bateau. Et qui, quand il sort du truc, il est sorti de son cerveau. Du coup, j'étais surtout inspiré de ça, sans la partie un peu glauque du cerveau qui se détache. Mais voilà, je le voyais vraiment comme ça, en fait, se réveiller d'un coup. Mmh. Et puis en fait, au fur et à mesure qu'il se réveille, vous le voyez un petit peu sortir, mais il est toujours attaché à l'arbre. Et quand il se rendort, au final, il re-rentre progressivement dans l'arbre. Ce qui donne aussi une notion à l'arbre. Tu sais pas exactement où il se situe. Est-ce qu'il fait partie de l'arbre? Est-ce que l'arbre c'est lui? Est-ce que l'arbre a sa propre volonté et il l'a pris comme hôte? Eh ben, ça mériterait une campagne entière, monsieur. Ouais, ça laisse un côté un peu vague. Mais un préquel. Ouais. Alors un peut-être préquel que... sur ce personnage. Peut-être qu'on pourrait prévoir un préquel sur ce personnage, ou en tout cas des chroniques, qui sait. Sachant qu'il en a vu des choses. Il en a vu des choses, et par rapport à d'autres choses que les personnages ont découvert par la suite, lui était déjà au courant d'un certain nombre de choses, mais il ne les a pas révélées aux joueurs qui n'ont pas posé les questions. Forcément. Ils avaient le nom de Erismé dans leur carnet. Ils n'ont jamais demandé qui était Erismé à l'enraciner. Alors attends, est-ce que c'était les personnages qui avaient dans leur carnet, ou est-ce que c'était les joueurs qui avaient dans leur carnet? C'était les personnages et les joueurs, du coup. D'accord. Ok. Non, parce ils que souvent il y a un grand écart entre les connaissances du joueur et... Généralement, je fais en sorte que mes joueurs aient les connaissances de leurs personnages. Mais après, ça peut varier. Tu vois, j'ai un de mes joueurs, Eldebaf, par exemple, qui a déjà joué dans ce monde-là, mais plusieurs centaines d'années après cette période-là. Et mais il fait aucun rapprochement avec ce qu'il a déjà vécu. Et t'as l'impression qu'il n'a rien retenu des aventures qu'il a déjà vécues dans ce monde. Donc c'est formidable. C'est cool. Au moins, il découvre à chaque fois. Je lui sors des noms de dieux qu'il a déjà vus. Il fait intéressant et tout. Intéressant. Ouais. Normalement, t'es déjà au courant, toi. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va passer. Suivant. Mais du coup, effectivement, il y a des informations là qui vont bientôt venir au sujet d'Erismé. Qui vont sortir dans les prochains épisodes, que les viewers vont découvrir, que l'enraciné connaissait, notamment pour en avoir vécu un certain nombre, et qu'il aurait pu leur renseigner sur ce sujet, mais ils n'ont pas posé la question. Mais bref, donc du coup, l'enraciné qui a aidé la protectrice du Val, Quileas, à accomplir le rituel avec toi. Ouais. Et très on a bon eu, moment d'ailleurs. Effectivement. Très beau moment, tout en suspension. Toute une suspension du temps où, du coup, c'était aussi l'intérêt de faire un peu patienter les joueurs qui ne sachent pas trop exactement ce qui s'est passé. Mmh. Et entretenir cette incrédulité de leur côté, pour, puisqu'on peut le dire, puisque les gens ne l'ont pas forcément vu dans l'épisode, mais de leur côté, je leur avais demandé d'enlever les casques, donc pour ne pas pouvoir suivre la scène. Et que toi, de ton côté, tu puisses retranscrire ce que tu avais envie de retranscrire en fait de cette scène là qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, du rituel, de la scène de révélation? Est-ce que tu t'attendais à ça par rapport au background de ton perso, ou pas du tout? Pas du tout, c'est-à-dire je pensais pas forcément à un rituel, ce qui fait que, mais j'aime bien ces temps là en fait, les temps de latence comme ça où
Il y a un calme qui s'instaure après des événements comme des grands combats ou ce genre de choses. J'aime bien quand ça ondule un petit peu et qu'il y a un temps de pause, comme ça, plus ou moins long. Et puis en plus, le rituel permettait de poser quelque chose de d'assez sobre, en fait, d'assez posé. Et puis la révélation qui monte petit à petit avec les origines de ces fameux tatouages. Donc de Guild, enfin, était vraiment intéressant. Quoi. Mais ouais, je m'attendais pas vraiment. Je savais qu'il y avait peut-être une révélation. Parce que je me suis dit bon, on va me laisser quand même l'envie de revenir. Et, et donc ouais, j'étais content en fait de cette découverte. Donc. Mais voilà. Je dois avouer que d'un point de vue de la gestion aussi de la magie dans ce monde-là, la révélation telle qu'elle est faite avec le rituel. Mais en avant aussi une certaine rareté de la magie, ce que j'essaye d'entretenir depuis le début de la saison, que les personnages magiques sont somme toute relativement rares et que du coup leurs services sont assez chers. On va voir un prêtre comme on va voir un médecin, d'accord, mais c'est généralement réservé aux personnes les plus riches parce que ça demande des composantes, ça demande du temps, ça demande voilà, pas mal de choses. Du coup ça implantait une certaine gravité dans l'utilisation de la magie de passer par un rituel, et ça montrait qu'il n'y avait pas que les sorts qu'on peut avoir en tant que classe de lanceur de sorts, mais qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient se développer à côté, liées au lore, etc., et amener un peu plus de profondeur dans la notion de magie dans ce monde-là. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dans les Donjons et Dragons, etc. Je trouve un peu dommage parce que la magie est partie prenante du monde, elle est vraiment très, très présente, mais tu l'expliques pas vraiment, tu prends pas forcément le temps de rappeler que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et que tout le monde dans la population n'est pas capable de réaliser des sorts, quoi. Donc, bah c'est pour ça qu'il y avait un vrai créateur, alors j'ai plus son nom, c'est le créateur de d'Eberron, donc l'univers pour D&D. Qui avait vraiment pensé son univers ainsi, c'est-à-dire lui il était parti sur l'idée que la magie donc est présente dans les univers de Donjons et Dragons, qu'est-ce que ça produit finalement dans la société, qu'est-ce que ça va altérer, c'est-à-dire que effectivement tu vois, tu parlais du médecin, on peut le voir, bah lui il était parti sur ce principe-là, c'est-à-dire ben si les médecins sont des prêtres, ça sert à quoi de faire des études de médecine, ça sert à quoi d'avoir des médecins, donc ça veut dire que la médecine est à un niveau très faible et qu'en réalité la magie a pris le pas et donc ça crée une société différente. Bah, c'est ça qui est intéressant dans ces campagnes-là. On voit complètement les notions de technologie justement, parce que les sciences sont moins développées, ou du moins c'est potentiellement des sciences magiques. C'est là que tu découvres des mages qui passent pour des érudits et des scientifiques parce qu'ils font des essais magiques sur comment fonctionne la magie, etc. Donc, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on va découvrir dans les épisodes 33-34 à peu près. Ils vont aller dans une... Je spoil un petit peu, ils vont aller dans une académie des arts magiques. Voilà, spoiler. Spoiler. Pour poser quelques questions. Mais du coup, voilà, effectivement... c'est une approche que je trouve très intéressante de mon côté, de développer la magie comme quelque chose de rare, parce que ça entretient le fait que on est dans un monde qui nous sort de notre habitude, dans lequel la magie est présente, mais il faut pas oublier de rêver un peu avec cette magie. Et si la magie c'est la même chose que tu sors ton téléphone et tu cherches des infos, et via la magie t'as la même chose, et donc du coup tu creuses pas plus cette question là je trouve ça dommage, je trouve qu'on perd tout un matériel narratif ultra intéressant. Bah, c'est ce que j'ai aimé avec les versions suivantes de Donjons et Dragons, ou même après, bon je suis pas rentré plus loin avec Pathfinder, mais bon je sais pas si c'est totalement la même chose, mais par exemple Donjons et Dragons, alors certes on reste sur des systèmes de combat, c'est-à-dire que bon bah va falloir forcément sa règle pour dire l'ennemi est à 9 mètres ou ce genre de choses. Mais tu peux aussi avoir des phases où même une campagne, alors c'est pas évident parce que quand t'as des éléments techniques de combat, t'as envie de les exprimer, mais tu peux ne pas faire que ça. Et ça j'ai trouvé ça cool parce que je sais pas s'il y en a certains qui avaient connu, je pense que t'as dû connaître Goldie ça, mais DD4,
Ouais, là, il y avait une sorte de retour en arrière où on était vraiment sur un système de combat et ça a complètement écoulé parce que je pense que les gens. J'ai touché des 4. Ouais, moi j'y ai touché. Moi, j'avais même acheté des suppléments, tout ça. J'étais vraiment à fond dedans. Et puis finalement, je les ai tous lus. J'ai dit, oh mince. Pardon, j'ai dû tout ça. Voilà, j'ai dû tout renvoyer. Et, mais ouais, on sent que les gens, en fait, on aime les combats, mais pas forcément que ça. C'est ça. Et. C'est un rythme qui est pas forcément facile à avoir, c'est-à-dire qu'au niveau des combats, moi de mon côté, j'essaye de faire en sorte d'en avoir grand maximum un toutes les 4 heures, mais c'est vraiment grand maximum. Pour tout le reste, c'est censé être du roleplay, de l'enquête, de la recherche d'infos, des choses comme ça, parce que du coup, tu travailles beaucoup plus l'intrigue et l'intérêt des joueurs dans l'intrigue que tu leur proposes, et de temps en temps, se retrouver... face à un monstre et taper dessus, ça permet de se défouler et de constater qu'on a passé un niveau et que c'est plus facile de taper. Mais je trouve ça toujours intéressant de limiter un peu ça. Voire même sur cette saison 2, on est même presque plus à un combat toutes les 8 heures à peu près. Donc c'est même un peu plus léger en termes de combat sur cette saison-là et j'espère que ça a plu en tout cas. Même si on fait un peu moins de vues que la saison 1, hein. on va pas se mentir. Ouais, ça de toute façon, il y a toujours des hauts et des bas, mais bah, bien sûr. Pour mieux rebondir. Bien sûr, bien sûr. Et donc du coup, cette révélation, effectivement, alors je voyais dans le chat, on posait des questions sur les djinns. Cette révélation du djinn, toi t'étais un peu surpris. De mon côté, moi c'est pas une idée qui est venue tout de suite, que ce soit un djinn. Je m'étais dit, ok, effectivement, il va y avoir quelque chose lié au sang, vu que c'est une forme d'ensorceleur que tu es, que tu interprètes, du coup, je me suis dit, il y a un héritage qui doit lui être donné, et au final, en regardant les différents types d'héritages possibles, je voyais que le djinn, c'était quelque chose d'assez mystique, intéressant, proche du voyage aussi, et qui permettait de coller avec ton personnage, et du coup... j'étais particulièrement heureux que tu annonces que tu avais les yeux bleus, parce que du coup, je me suis dit, c'est parfait avec un djinn qui a un élément plutôt aérien et qui du coup, bah, dans la description, je me suis dit, ça, on va voir tout de suite l'impact en voyant tes yeux changer au niveau donc, du bébé qui le touche. Et puis alors, le djinn, on posait donc dans le chat la question de est-ce que les djinns dans cet univers étaient les mêmes que dans le nôtre ou est-ce qu'ils sont différents ? Il y a quelque chose d'assez proche de notre monde dans le sens où les djinns sont pas ces créatures qu'on voit assez facilement dans Donjons et Dragons comme étant des génies qu'on peut croiser je trouve un peu trop facilement dans Donjons et Dragons de base. Là j'ai préféré que ce soit quand même des créatures assez mystiques, relativement rares, qui semblent avoir des dessins mais qu'on ne comprend pas, et c'est ça que j'ai essayé de faire transparaître, et c'est ça qui va d'ailleurs animer ton personnage pour la suite, hein, d'essayer de comprendre pourquoi il a fait ça, le djinn. Donc voilà. Qu'est-ce que toi tu penses du fait que ce soit un djinn ? Est-ce que tu penses que ça va apporter quelque chose d'intéressant pour ton personnage derrière ? Est-ce que tu penses que lui va finalement prendre le côté positif de la chose, ou est-ce qu'il va au contraire chercher le djinn plus pour... Non, je pense que c'est plus pour savoir précisément pourquoi. C'est vraiment un personnage, bah, tout long, il pose des questions, il a vraiment envie de savoir, et en fait, son but, c'est de comprendre pourquoi il a ses tatouages, pourquoi ça lui est tombé sur lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier le concernant ? Enfin voilà, donc et le fait que ça soit un djinn, voilà, ça lui pose d'autant plus de questions parce que c'est une créature. Enfin moi je l'imaginais assez rare justement de base. Donc parce que pareil quand je joue à Donjons et Dragons, j'ai quasiment jamais mis de djinn. Ouais. Parce que c'est un personnage pour moi, enfin avec toute la culture du désert, ce genre de choses, enfin, moi pour moi c'est vraiment quelque chose qui doit vraiment être particulier, ouais.
Et donc c'est quelque chose vraiment pour moi de mystique. Et donc voilà, c'est d'autant plus intéressant de se poser les questions et puis d'essayer de les comprendre après en retrouvant ce djinn, s'il arrive un jour à le retrouver. Et donc on imagine Guild partir dans des contrées potentiellement désertiques, on sait pas trop, ou inhabitées en tout cas, trouver l'antre du djinn, ou en tout cas des gens qui le serviraient, ou qui sauraient où il est caché, etc. Je pense qu'il y a tout un arc narratif qui peut être intéressant à développer autour de la quête personnelle de ce personnage. Ouais. Mais je le vois bien en plus arriver avec plein de petits crabes blancs comme ça sur une barque. Sur un bateau. Ou... Ah, cette scène m'avait marqué, mais. Non, mais je comprends. Désolé, je comprends. Pareil. Pareil, je me repasse le film, juste le début, rien que pour ça. Ouais. Ah, bah, c'est toujours des entrées fracassantes. Ouais, toujours. J'essaye toujours d'avoir des PNJ avec des entrées fracassantes. Ça n'arrive pas souvent. Je pense qu'on pourra faire une ellipse pour le personnage et le faire revenir avec justement sa quête personnelle qui aura avancé, qu'on aura pu définir ensemble, et potentiellement voir revenir Guild avec une plus grande maîtrise de ses pouvoirs, peut-être une meilleure compréhension, peut-être des cheveux bleus en plus des yeux, qui sait. Peut-être. Avec des flammes comme ça, petit à petit, ouais, et des centres. Qui commencent à sortir, ouais, ça pourrait être hyper intéressant. Je le vois bien. Et quelque chose à faire de très intéressant. On se recontacte, hein, on se fera un actual play tous les deux. Exactement. On va créer une chaîne qu'on va fusionner. Oh là là, les dés sont critiques. Quoi ? Voilà. Critique TD. C'est ça. Donc après, une fois que ton personnage est parti, pour te... Je sais pas si t'as visionné les épisodes qui suivaient. Ou... Alors non, j'attends mes grandes vacances pour me remettre... Voilà. Je comprends. C'est ce que je fais pour beaucoup de chaînes, malheureusement. Ah oui, parce que là, pour le coup, que ça soit Roll and Play ou autre, pour l'instant, c'est en stand-by et j'attends les grandes vacances pour m'enfiler, m'ingurgiter de manière pantagruélique les épisodes. Je comprends. Et du coup, une fois que t'es parti, ils ont récupéré l'information que tu leur as donnée, donc concernant la localisation de la Latoma. Donc là, t'es en train de me spoiler, d'accord ? Oh, oui. Non, mais vas-y, oui. C'est lié à l'information que tu savais toi, donc ça va. Cette information d'ailleurs un peu énigmatique que tu leur as donnée. Qu'est-ce que... Bah du coup, je vais éviter de te spoiler, tiens. On va poser ça différemment. Pour pas te spoiler, comment tu penses qu'ils vont avoir reçu cette information et comment tu penses qu'ils vont trouver cette Latoma? Est-ce qu'ils vont y trouver? Alors, je pense qu'ils vont aller directement la voir, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup... Enfin, j'espère pour eux, mais pas énormément d'épisodes où ils vont tergiverser dans tous les sens. Mais après... voilà, on sait jamais, hein, parce que ne serait-ce que tu vois un caillou qui est bleu au lieu d'être gris et tu te poses plein ça de questions. Ça prend une séance, voilà. Ça peut prendre une séance. Donc une fois que ils l'auront trouvé, ça sera un personnage, je pense, très énigmatique, qui va peut-être les lancer sur quelque chose qui va les amener vers le grand final. C'est vrai que là, après, t'as un indice dans le nombre d'épisodes qui restent derrière, hein, puisque potentiellement, ça approche des épisodes 30. La saison est censée faire 40 épisodes, d'au moins. Ah ouais, ah, d'accord. Ouais, bah 40 épisodes, oui, ils sont pas très loin. Mais en même temps, on sait jamais. Un caillou bleu, voilà. Ouais, donc, je retiens l'idée du caillou bleu. Ah bah, tu peux tenter, hein, tu verras. Moi, c'était une porte bleue. Ah ouais. Je peux te dire qu'elle m'a fait 3 séances. Donc... Non mais tu sais qu'il y a, je sais plus, je crois qu'il y a une séance où à un moment donné je cite un, il y avait un truc où je citais un vieux qui passait à côté avec un chariot ou je ne sais quoi, et puis ils ont voulu aller l'interroger et lui demander un truc, ça a perdu un temps monstre. Ouais, mais parce que les vieux c'est mystérieux, donc les vieux c'est déjà, toujours mystérieux. Voilà. C'est ce que j'ai annoncé pour d'ailleurs ma participation au Roll or Die. Ouais.
les vieux c'est mystérieux et j'aurais bien aimé faire un vieux, mais apparemment je ne pourrais pas faire un vieux. Les consignes m'ont été données, donc voilà. Ah. Triste, donne point à pouvoir faire un vieux. Il y a quelques règles particulières. Ouais, ouais, bah je les découvre. D'accord. Mais bon, ça m'empêchera pas de gagner. Oui, bah oui. Bien sûr. Bref, du coup, on va pas forcément plus spoiler la suite. Les épisodes jusqu'à l'épisode 32 sont déjà disponibles, je crois. Donc n'hésitez pas à aller les regarder si vous ne les avez pas encore vus, à aller découvrir justement ce qui suivait le passage de notre cher Arbacin, et puis à aller découvrir aussi les autres productions qu'on fait sur la chaîne, évidemment, hein, dernièrement notamment, on a eu un petit actual play Ghostbusters qui était du plus bel effet, très très fun à jouer. Le scénario d'ailleurs de Ghostbusters arrive très bientôt sur nos réseaux, que vous pourrez télécharger et jouer de votre côté. Il y a les règles d'inclus, donc vous pourrez jouer aussi au scénario que vous voulez avec ces règles-là. Je pense qu'on va avoir fini pour ce soir. Quelles sont tes actualités, mon cher Arbacin ? Parle-nous de toi. Oula, eh bien depuis aujourd'hui, nouvelle chaîne. Donc fermeture, mais les épisodes seront toujours visibles de Fumble Play, mais maintenant on est passé à Critical Play, avec une partie de l'ancienne équipe, et puis des nouveaux qui vont nous rejoindre, des épisodes, on prépare la nouvelle saison, enfin la saison qui va démarrer donc mardi 30 août, si je me rappelle bien, donc on prépare tout ça. Donc notez dans vos agendas, hein, le 30 août. Voilà, un one shot qui va arriver au mois de juin pour montrer un peu ce que c'est faire la chaîne, pour rassurer tout le monde sur le fait que cette chaîne restera dans l'esprit de Fumble Play. Ouais. Et puis voilà. Puis et donc verra, du coup, si je comprends bien, ça va être un one shot de quoi, 2 heures peut-être, ou un truc comme ça. Alors c'est l'idée de base. Maintenant, s'ils traînent, ça va durer plus longtemps. Voilà, voilà. Mais l'idée, ouais, c'est avec les one shot, c'est 2 voire 3 épisodes maximum. Sachant que quand on avait fait sur Fumble Play l'épisode Cthulhu, bon, je pensais pas que ça allait être 3 épisodes. Donc tu vois, enfin voilà. Donc ouais, ça dépend en fait variable des joueurs, voilà. Ok, mais ça marche. Et bah notez voilà ça sur vos agendas. Donc Critical Play, allez vous abonner, hein, tout simplement. La chaîne a besoin d'abonnements pour pouvoir décoller, hein, sur, ah ce, bah oui, sur ce renouveau. Et bah, n'hésitez pas aussi, si ce n'est pas fait, que vous nous découvrez via cette vidéo ou ce live, hein, parce que je rappelle que c'est tourné en live, mais que ce sera disponible en rediff. Comment ça ? Sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller aussi vous abonner à notre chaîne. Hein, voilà, des épisodes toutes les semaines et des bonus en plus. Voilà, il y a des projets encore qui sont en préparation aussi. Bref, merci Arbacin de t'être prêté à ce petit exercice de débrief. Non, bah c'est toujours un plaisir. J'espère que ton passage chez nous restera dans tes mémoires. Et puis, de toute façon, on n'en a pas fini avec Guild. J'espère. Parce qu'on l'a travaillé, ce personnage, hein, donc il a intérêt à rester. Oui. j'espère aussi qu'il reviendra. Hein. C'était un vrai plaisir de l'avoir dans ces 3 épisodes. On aurait espéré 4, mais les choses n'ont pas pu se faire sur 4. Mais on a réussi à faire quand même et à raconter une belle histoire sur 3 épisodes, donc c'était c'était l'essentiel. Salut Doc de la table des rencontres, comment tu vas? T'arrives pour la fin de cette émission. Merci encore à Arbacin, merci à vous d'avoir suivi cette émission débrief. Vous la retrouverez donc dès milieu de la semaine prochaine, normalement, voire fin de cette semaine en rediff sur YouTube. En attendant, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés, je vous fais des gros bisous, à très bientôt, et bye bye, du coup.